Le crois pas. Sarah, qu'est-ce que c'est que cette truc en bois de castor là? On va faire tout de suite. Sarah, c'est bon, bah, tu peux ranger la moto. Je crois que ils veulent plus là, ils ont plus envie. Ils sont fatigués, il fait chaud, ils ont envie de dire. Ouais, je suis à la cour, ok, je suis à la cour, je suis à la cour. Mesdames et messieurs, 4e édition du Galère Urbaine qui revient. En ce magnifique après-midi, sous le soleil de Galère. Je vous propose une séance de stunt avec Sarah Lesito. Est-ce que Sarah Lesito, ça vous plaît? Est-ce que vous voulez voir du stunt? Ils ont pas envie, ça. C'est bon, arrête. Je crois qu'elle vous cherche, les gars, là. Hein. Elle fait plus de bruit que vous. Vous trouvez ça normal? On fait du bruit pour Sarah Lesito, mesdames et messieurs. On applaudit de l'autre pour Sarah Lesito. Vous connaissez la combine. Il vous fait du bruit. Vous l'avez envoyé. Je prends des risques insensés, moi, les gars. Mesdames et messieurs, Sarah Lesito, pour le dernier show de la journée. Hein. Le dernier show de stunt, c'est parti. Winning, tranquille. Winning qui va très très vite. Mesdames et messieurs, on applaudit, on fait du bruit. Quand on fait du bruit, elle reste en l'air. On fait du bruit, on fait du bruit, on fait du bruit, on fait du bruit. Yes! Mesdames et messieurs, Sarah Lesito, la championne incontestée du stunt. Elle est la reine du stunt et on fait du bruit pour Sarah, mesdames et messieurs. Sous les arbres, en désert. Ouais. Attention, il y a un arbre, il y a du public. Elle danse littéralement avec la moto, mesdames et messieurs. C'est exceptionnel ce que vous voyez là. Ouais. Wow. Mesdames et messieurs, Sarah Lesito, c'est parti. En avant. On applaudit très fort, Sarah Lesito. Sophie, dans Philippines, dans nous, c'est parti direct en Winning. Exceptionnel, Sarah Lesito, au top de sa forme. Est-ce que vous êtes en forme vous aussi? Vous voulez du bruit, vous voulez faire du stunt? Alors on fait du bruit pour avoir du stunt. Sarah Lesito en agonie. Quand vous faites du bruit, elle reste en l'air. Alors on fait du bruit pour Sarah, mesdames et messieurs. Yes, 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 yes. Tout le monde. Il n'y a que cette partie-là qui crie. Les autres, vous ne faites rien. Vous faites du bruit de ce côté. Sarah. Sarah, ça fait plus de bruit en haut. Vas-y, je crois qu'il faut aller là-bas parce que ça fait plus de bruit en haut. Attention. Ça glisse, ça drift. Yes! On fait du bruit pour ça. On fait du bruit pour nous aussi. Ça va être une vitesse folle. C'est très technique. Ouais! En mode Jésus-Christ, contrôle total, absolu, mesdames et messieurs, on applaudit très fort Sarah Lesito, c'est dans une figure, qu'elle maîtrise parfaitement. Elle fait ce qu'elle veut de sa machine, c'est exceptionnel, extraordinaire. On fait du bruit, mesdames et messieurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, non, mais je comprends que vous soyez tous deux en même temps. Hein. Il y a de quoi. Mesdames et messieurs, Sarah Lesito qui fait ce qu'elle veut de sa moto. Sur un terrain hyper technique. Regarde le sang pour
sur scène. Yes, on fait du bruit, on fait encore plus de bruit. Ça va les vas-y, qu'est-ce que c'est? Mesdames et messieurs, exceptionnel ça, allez-y tout, fais du bruit sur ça. Ok, c'est parti, on va faire du bruit, on va claquer dans les mains. On va faire du bruit, on va accompagner ça. Elle n'a pas besoin des mains. Est-ce que vous avez vos mains pour faire du bruit pour ça, allez-y tout. C'est tout ce que vous pouvez faire les gars, vous êtes à fond là. On fait du bruit pour ça, mesdames et messieurs. Ça a l'air facile comme ça. Ça a l'air super simple en fait. Mesdames et messieurs, ça, les gitos. Yeah. Allez, c'est parti. En mode drift pour ça. Sur le trafic, on l'encourage, mesdames et messieurs. Est-ce qu'il y a pas de retomber? C'est parti, en mode bowling. Yes, winning, on s'appuie sur la moto. Le contrôle est total. La vue est magnifique dans cette tête galère. Une accueille pour la 4ème édition. Le canard n'a pas tombé. Yes, 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 on fait du bruit, on fait du bruit, on fait du bruit, on fait du bruit. Ah, ça envoie, hein. Sophie sur le réservoir et ça passe exceptionnel, on l'applaudit très fort. Un tonnerre d'applaudissements pour ça, allez Tito. En bas de burn-out, tranquille. Yes, j'en produis, c'est pas dans les ordres, mesdames et messieurs. C'est parti sur la tête de yes. Ouais. Est-ce que vous en voulez encore? Est-ce que vous voulez encore du stunt? Est-ce que vous voulez encore du stunt? Alors on en fait du bruit pour ça. Yes, c'est passé en mode kangourou, mesdames et messieurs, c'est ultra technique, très difficile à faire. Une figure qu'elle maîtrise à la perfection. On a fait du très bon sang à l'habitant, mesdames et messieurs. La machine fait pas moins de 200 kilos. En mode heure. Très technique, ça va très vite, en mode passe, ça brille, à droite, à gauche, la moto semble peser une plus entre les mains de Sarah. Mesdames et messieurs, Sarah et Vito, bien à dire. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour l'artiste Sarah Lesito. Elle est suivie dans le monde entier, tout le monde connaît Sarah Lesito. Elle nous fait le grand honneur d'être ici cette année encore au Galeria Malherbe pour une 4ème édition.
Alors, restez avec nous. On va avoir droit à un duel de champion. Bon, ça, je vais vous mettre un peu la musique pour voir. On finit avec les photos là. Laisse la musique. Oh, oh. Je te jure, les mecs du son sont intenables. Bon, ils sont sourds, hein, c'est les mecs du son. Bon, ça, qu'est-ce que tu penses du public de Galéria? Oh, Galéria, il fait chaud chez vous déjà. Alors, est-ce qu'on est chaud pour Sarah? Ouais, je sais pas, je suis moyen, là, je dirais. Tu as fait du stunt. Le public le plus chaud que tu as rencontré dans ta carrière, c'était où? Au Vietnam. Au Vietnam. Est-ce que vous pensez pouvoir faire mieux qu'au Vietnam? Ouais. Est-ce qu'on va se laisser emmerder par les Vietnamiens? Quand même. Alors on fait du bruit pour Sarah Rizzuto, mesdames et messieurs. Un tonnerre d'applaudissements. Sarah Rizzuto, c'est une championne inouïe qui nous fait le grand plaisir et l'honneur d'être avec nous sur ce festival de Galéria pour une 4e édition. Merci Sarah. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Si le ciel ne nous coupe pas sur la tête, a priori c'est pas parti pour. Vous restez avec nous. Sarah, je te propose un nouveau challenge. Vous le savez, maintenant, on fait un peu une coutume. Le selfie avec Sarah, évidemment. Un selfie, un selfie. En fait, c'est fini, ton selfie. Le selfie, le selfie. Ils sont infernales. Infernaux, plutôt. Alors, ce que je vous propose, c'est une petite course de lenteur qui va opposer Sarah, qui reste la championne. Incontesté, hein, finalement, tout ce qui va rester. Ah non, il y a Paul. Ouais, non, mais Paul, il devait avoir la revanche. Alors, en termes de champion, en Corse, nous avons un grand champion du pilotage moto que vous connaissez tous. Il s'appelle Bruno Langlois. C'est le double vainqueur de la course légendaire de Pikes Peak. T'es là, Bruno? Est-ce qu'il est là? Il est en haut, Bruno? Bruno? Ah, il est là, je ne voyais pas, merde. Bon, ben voilà, je vous propose une course entre deux champions. Bruno Langlois, le double vainqueur. Et c'est chacun son tour, d'accord? C'est Sarah qui commence, me dit Yvon de la FFMC, qui est nos amis de la FFMC qui nous suivent depuis le début. Pas sur la tête, d'accord, pas tout. Bruno, qu'est-ce que, je pensais que tu viens avec une grosse kawa verte, un truc monstrueux tout à l'heure, là, elle est où? C'est tout petit ça pour toi, c'est une 900, tu vas réussir à faire quelque chose? Ouais. Ok, on dit que Barbe Bleue doit venir, ça doit être un code, je suppose. Il est en bas, vas-y Barbe Bleue, tu montes. Ah ouais, c'est Barbichou. Barbichou, t'es où? Monte en haut. Des fois que... On aurait essayé de monter en bas. Ah, viens. En moto, camarade, qu'est-ce que tu nous fais là? Non, tu veux pas, t'as peur. Ouais, mais je comprends. En face, c'est Sarah Lesito, la championne de stunt, et Bruno Langlois, le double vainqueur de Pikes Peak. Je comprends que ça mette un peu la pression. Alors, ils sont où les jeunes de ce matin? J'ai tous les jeunes de ce matin. En fait, ceux qui veulent participer sont les bienvenus. Il s'agit de faire un slalom, c'est ça? Un slalom. Qui veut s'y essayer? Slalom, demi-tour plus panage. Ça rappelle les jeunes permis, ça va vous rappeler quelque chose là, les gars, qu'on perd beaucoup. Ah merde, qu'est-ce que t'as fait avec la vache? Bon bah écoute, on va gagner ça. Ok. Je vous propose de voir le slalom de Sarah et ensuite de Bruno Langlois, le double champion de Pikes Peak et de l'incontournable Margot avec son casque. Et on attaque le casque, pardon, s'il te plaît. Ensuite, je vous propose qu'on se retrouve tous à la tour pour un apéro avec la DJ Monet Wawa qui va nous servir un set musical bien rock pour nous accompagner en ce début de soirée avant les concerts qui auront lieu ce soir avec Nofutal en première partie suivi de Johan Gessi et Van.
pour une soirée très rock. Et c'est parti pour ça, allez-y, tout en mode slalom. Bon bah je crois que là ça contrôle. Tac, tac. Je vais te... On n'a pas demandé à Sarah si elle avait son permis moto en fait. Elle l'a ? Sarah, t'as ton permis ? Non, si quand même. Just wanna make you sweat. Bon ça, je sais pas. Il faut faire un slalom. Ouais, ouais. Alors, Jacques, c'est ça. Bernard, j'étais presque bon. Bernard, qui est moniteur moto-école, va nous faire une première démo. D'accord, on va avoir droit au style moto-école et ensuite le style Sarah Lepito. On va voir s'il y a une différence. Just wanna make you sweat. Ouais. Bon, on va prendre l'apéro les gars ou qu'est-ce qu'on fait là? La FFMC, on y va là. Je suis pas connu pour être un petit patient quand même. Ça se saurait. C'est quoi la course? Moi je sais pas. Il y a Jacques qui va nous monter. C'est Jacques, il a dit Jacques. Il y a un peu de tension Jacques. Hein. Alors à propos de... De professeur de moto-école, ça me rappelle une vidéo célèbre maintenant où tu as piégé un moniteur de moto-école. C'était quand même pas mal. C'était un vrai truc ou c'était un fake? C'était un vrai truc, me dit Sarah. Il est prêt, c'est parti mon coco. Allez hop. Ok, quand tu veux. Jacques, c'est pour donner le tour, on est content. Et c'est la version Jacques, version moto-école. C'est un sujet bien. Je vais te tourner autour du tuyau. Il va y avoir un prenage après. Ok. Donc, ça, c'est le stop-beat version moto-école. C'est ça. Version moto-école. Avec un freinage appuyé en essayant de garder le contrôle de la moto. Maintenant, on va voir ce que Sarah va nous montrer dans son style. D'accord, vas-y Sarah, montre-nous un peu un stoppie en mode Sarah Lesito pour voir ce que ça fait. Attention, je me regarde pas méchamment comme ça, c'est pas de ta faute Sarah, je dis. Ok. On compte, on fait un décompte tous ensemble. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Et attention, stop. Mesdames et messieurs, ça a les citons. C'est presque la version moto-école, j'ai envie de dire. Un peu de choses, ouais, on est ça. Bon, maintenant, on va voir la version champion de Pikes Peak, Bruno Langlois, le double vainqueur de la course légendaire de Pikes Peak aux États-Unis. Je souffle. Ah. Alors, il faut savoir que... Oh là là, vas-y, Bruno, tu me fais peur. Yes. Alors, il faut savoir que Bruno Langlois, sur sa première victoire de la course de Pikes Peak, il a battu les Américains justement parce qu'il conduisait à la limite. Margot, c'est parti. Concentré, Margot. On applaudit Margot, mesdames et messieurs.
Just take it. Let's paint the town. Paint the town. We'll shut it down. Let's burn the roof. Et c'est parti, grosse accélération. Et attention, stop it. Let's do it. Let's do it. Un tonnerre d'applaudissements pour Marceau. Le futur champion de Stunt, a priori. Go! La version Supermax. Tout est dans le dosage, finalement. Et bien, pour le talent par exemple, l'important c'est de bien tourner la tête, c'est-à-dire toujours avec le regard, avoir un coup d'avance par rapport au plot. Quand on tourne à droite, on regarde déjà à gauche, on regarde à droite, à gauche, on regarde à droite, et on regarde tout droit, le demi-tour pareil, il faut énormément tourner la tête, voilà, en accélération et le freinage, on virouille les bras et on lève le bâton. Comme ça, on fait un freinage appuyé, mais en gardant le contrôle de la moto jusqu'au bout. C'est ce qui est important dans la circulation, hein, parce que faire un freinage court, mais se retrouver par terre, on aura la fin du freinage, c'est pas tellement intéressant. Merci Jacques. Moi, je traverse les groupes. Oui, je fais attention aux occupants. Yes, sir. Vous avez vu plusieurs styles de moto. Eh bien, on applaudit très fort nos candidats. Voilà pour aujourd'hui, le stunt est terminé. On se retrouve tout à l'heure pour une dernière session du mur de la mort. Et avant ça, je vous propose de faire un petit apéro au niveau de la tour avec le petit bonnet pour voir.